Les amis, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. N'oubliez pas de nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Bon visionnage. Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour. Aujourd'hui, avec Coulisses, on vous propose un format qui nous tient à cœur. Nous allons revenir sur la carrière de deux immensités du football camerounais, africain, et certains m'accuseront de chauvinisme, mais je dirais aussi mondial. Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell, deux grands gardiens de but, une rivalité qui a duré près de 20 ans en équipe nationale. Coulisse, comment tu vas? Ben écoute, hein, ça va bien, le dé de la tanière. J'espère que de ton côté aussi ça va. Et très belle introduction comme d'habitude. Et je suis toujours joyeux d'être avec toi pour discuter de nos Lions Indomptables. Voilà. Ça. On va parler aussi à ces jeunes qui peut-être n'ont pas connu ces deux grands gardiens. C'est sûr qu'il n'y avait pas les mêmes. C'était pas retransmis comme aujourd'hui. Tu peux quand même retrouver des matchs de, que ce soit de CAN ou que ce soit de Coupe du Monde ou même de championnat français, parce que Joseph Antoine Bell a joué dans le championnat français et Thomas Nkono lui a joué en Angleterre, n'importe quoi, en Espagne. Donc tu peux quand même retrouver des vidéos d'archives, mais moi je trouve que Thomas Nkono et Joseph Antoine Bell, c'est les deux plus grandes rivalités du Cameroun et peut-être même d'Afrique. Je pense qu'on a. Et peut-être même du monde. Ouais, peut-être même du monde, c'est vrai. C'est vrai. Pas du chauvinisme comme tu as dit, si on le dit. C'est vrai. Peut-être même du monde. Trouver deux grands gardiens avec ce talent, avec ce calibre dans une même équipe. Exactement. Il faut chercher. Moi, comme vous l'avez deviné, de par mon maillot canon de Yaoundé, je vais parler de Thomas Nkono. Et le Bafou. Ah, bien sûr. Le Cormon Gonda. Et Coulisse, lui, parlera de Joseph Antoine Bell. Et puis après, on aura une petite conversation autour de ça. Donc, je vais en. Avec des anecdotes, bien sûr. Ah, j'espère. Donc, Thomas Nkono, tu sais, moi, il fait partie de ces joueurs qui m'ont fait non seulement aimer les Lions Indomptables, mais aussi le foot en général. Et je suis vraiment sincère quand je dis ça. C'est moi, je découvre les Lions Indomptables avec la Coupe du Monde 90. Je ne l'ai pas vu, hein. J'étais beaucoup trop petit. Mais les plus jeunes ne sauront certainement pas de quoi je parle. Mais je fais la découverte de ce joueur à travers les cassettes VHS de mon père. Donc, je parle du Mondial 90 en Italie. Et mon père, il avait enregistré tous les matchs du Cameroun, tu vois. De l'Argentine, de Maradona, Caniggia, en passant par la Roumanie de Hadji. Tous les darons étaient pareils alors. Exactement, la Colombie de Higuita et tout, jusque bien sûr l'Angleterre de David Platt et Paul Gascoigne. Donc moi, je me mange cette équipe. Je vois les Roger Milla, les Omambik, les Mfede, les Makanaki. Je me dis, mais. Et en fait, c'est fou parce que je comprends que. Ce que le Cameroun a accompli en 90, c'est pas normal. En fait, on les attend pas. On les attend pas là à ce niveau mondial. Et donc, moi, je découvre Thomas Nkono. Et je me dis, et là, je découvre un. Et je tombe sur le charme parce que il dégageait une telle confiance, une assurance, tu sais, dans ses parades, son jeu de pied aussi. Tu vois, il avait une. Déjà. Ouais, mais c'est ça. En fait, il avait l'air en avance. Mais pas qu'en avance en Afrique, il avait même l'air en avance en Europe. C'est-à-dire que c'était, on voyait pas ça ailleurs. Et donc il y avait quelque chose qui me fascinait chez lui. C'était sa capacité à anticiper. Et j'avais l'impression, je sais pas si c'est le fait de regarder ça avec des yeux d'enfant, mais même quand je regarde des highlights, j'ai encore cette impression encore, c'est que quand il effectue un arrêt. Que ce soit une parade ou une sortie aérienne, j'avais l'impression qu'il était en slow motion. En fait, j'avais l'impression, c'est comme si le temps, il s'arrêtait. Tu vois, c'est que, genre, il voyait tellement les choses en avance que quand il partait dans une envolée et tout, t'avais l'impression que il était genre en ralenti et boum, il te la sortait. Moi, c'était ça qui me tuait chez lui. Donc, ouais. Et donc pour resituer un peu, parce que là, comme je dis, là, on parle vraiment d'une époque. Thomas Nkono, lui, il commence sa carrière dans les années 70.
Tu vois, donc là, vraiment, on n'était pas nés. Et je pense qu'on n'était même pas, on n'était même pas des projets de naissance. Non, là, on va se baser sur ce que nos papas nous ont raconté, sur beaucoup plus sur la légende, quoi, parce qu'après, c'est ce qu'il y a Exactement, après. tu vois. Donc lui, je sais qu'il commence au canon, mais il est prêté. C'est bizarre parce qu'il est prêté au Tonnerre de Yaoundé une saison, mais j'ai cru lire, j'ai cru comprendre qu'à l'époque, c'était pas légal de prêter un joueur. Donc je sais pas, faudrait que j'aille voir un ancien qui m'explique en fait parce que apparemment il a été prêté un an au Tonnerre de Yaoundé. Il y a eu une polémique par rapport à ça. Et après il est retourné au canon. Et là. Ce qui se passe, en tout cas, on va revenir sur Kono, mais ce qui se passe par rapport à ça, déjà, il commence à l'éclair de doigt, là, tu vois. Ah Déjà, moi, ouais! justement, les gens croient qu'il commence directement au Ah, canon, alors c'est vrai, j'avais un ancien, il m'avait dit ça en plus, c'est vrai. voilà, tu vois, c'est le... En fait, pour commencer globalement, c'est que moi, je suis un gars de Non, je sais, Koundé. non, toi t'es. Tu vois, et Thomas Kono, c'est le père du canon. 74, 77, 79, 80, 82, et Abega et tout. Et moi, le stade malien, c'est juste à côté de chez moi. Donc, logiquement, je suis un enfant du Bakoum. Mais aujourd'hui, j'ai choisi Bell parce que je veux qu'on parle aussi un peu de Joseph Antoine Dembélé. Parce qu'on a toujours l'impression que Bell, c'est un loser, dans la majorité de l'esprit, de ceux qui ne savent pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu te rapproches des anciens et de ceux qui connaissent, ils te disent, attention, s'il n'y avait pas eu Thomas Nkono, s'il n'y avait pas eu Thomas Nkono, Bell serait le numéro 1 de l'histoire. Oui. Est-ce que tu vois un peu? Oui, Donc, je te dis oui, le niveau que Bell avait aussi. oui. Oui, C'était oui, pas un loser, attention. oui. Donc, Non. on va revenir sur la rivalité, mais pour le moment, tu as commencé avec Nkono. Moi, je vais parler de Bell. Et voilà, donc c'était juste pour apporter une précision. Mais non, on a souvent tendance à oublier en croyant que Thomas Nkono a commencé au canon. Mais non, il a commencé à l'éclair de C'est doigts, là. Et il vrai. a commencé avec Bell. Qui était dans les goals. Donc la rivalité commence depuis l'éclair de doigts là. Est-ce que tu vois un peu? C'est Donc c'est fou. ça que les gens oublient souvent. C'est fou quand Donc à même. l'éclair de doigts là, il y avait Roger Milla, Oui, Thomas il y avait Roger Nkono et Mila, c'est Bell. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait même une Voilà. histoire. Il y avait un ancien qui m'avait raconté une histoire justement par rapport à Roger Mila et parce que. Par rapport à où il dormait, parce que c'est comme s'il dormait proche du club, ils dormaient tous en même temps. Et il y avait une histoire comme ça qu'il m'avait racontée, si c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est bon que tu parles de Bell, parce que justement, pourquoi les gens ont toujours placé Thomas Nkono au-dessus de Bell, au-dessus, mais on s'entend. C'est parce que je pense que Thomas Nkono est ce qu'on appelle un talent générationnel. C'est C'est-à-dire que. l'ovni. Il gagne très vite parce que justement, quand on dit il gagne 5 championnats en peut-être 7 ans, 7 saisons au Cameroun. Mais quand on parle du championnat camerounais, c'est pas le championnat camerounais de maintenant. OK? Rien à faire, rien à Là, voir. voilà, là on parle d'un championnat très relevé avec Du souvent meilleur même championnat d'Afrique. exactement avec souvent les meilleurs joueurs des autres pays d'Afrique qui viennent jouer dans ton Bien championnat. sûr. Donc là, on parle vraiment d'un grand club d'Afrique et d'un grand club du Cameroun et d'un grand club d'Afrique parce que si je dis pas de bêtises, ils gagnent deux fois aussi l'équivalent de la Ligue des Champions en Afrique. Donc, on est vraiment sur un si pour les plus jeunes, on peut parler Non, d'un c'est le meilleur club Oui, d'Afrique. voilà, on peut Parce parler d'un que les Manchester jeunes, City, d'un Real Madrid, on est sur ça ça en fait. là. On est sur une grosse équipe, les Abégales, on est vraiment sur le grand canon de Yaoundé. Et Tout c'est à pour fait. ça aussi que les gens mettent toujours Thomas Nkono un peu plus au-dessus de Bell, parce que lui, ça a été vite et fort, très vite. Et justement, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que j'aie des informations, mais un an ou 2 ans après qu'il commence sa carrière professionnelle, il est appelé en équipe nationale. Tu vois, Bell aussi appelé, mais en fait j'aurais voulu savoir quel était le gardien de but à l'époque chez les Lions Indomptables en fait. Tu vois, est-ce qu'on était dans un creux où on avait vraiment besoin d'un gardien ou Thomas Nkono et Bell étaient tellement forts qu'on les a appelés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Donc Ouais, je comprends ce que tu dis. Thomas Nkono aussi. Donc il fait le mondial 82, tu vois, il fait le mondial 82 et c'est là où justement je pense que l'Europe découvre Thomas Nkono parce que tout de suite après,
il signe. En tout cas, oui, c'est après ça qu'il signe en Espagne, à l'Espagnol Barcelone. Et encore une fois, il est là encore un autre précurseur parce que je peux me tromper, mais je pense que ça doit être le premier gardien camerounais, peut-être même africain, à avoir signé en Europe. Tu vois? Après, les Joseph Antoine Bell ont C'est le premier, suivi. on va dire quoi, étranger, entre guillemets, à presque être même titulaire dans une équipe européenne. Parce que tu te Exactement. dis, à l'époque, Après, son poste peut-être, de voilà, après, tu as les les Joseph gardiens Antoine Bell qui ont suivi. africains, c'était très rare. On était un peu considérés comme des gardiens qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas Exactement, concentrés. parce que Tu vois? jusqu'à très longtemps, parce que les gardiens noirs, on peut le dire, c'est même pas africain, on peut dire même noir, il y a toujours eu cette fausse rumeur, en tout cas ce stéréotype de dire que on peut pas faire confiance, peut-être qu'il manque de concentration, la rigueur, etc. Donc c'était très rare de voir des grands gardiens noirs et africains dans des clubs européens. Et ça, c'est jusqu'aux années 2000. Hein. Ne crois pas que ça C'est pour date de ça. l'époque et tout, parce que jusqu'aux années 2000, tu as qui comme grand gardien africain dans les championnats européens? Ils sont près de 3 ou 4. Tu as Brice Gobela du Zimbabwe, tu as Badou Zaki, le Marocain, tu as eu Peter Rufai du Nigeria, et tu as eu ces illustres aînés qu'on cite. Sinon, à part ça, tu as eu qui? C'est que tu dis que la place que les Bell et les Mpondo ont fait pour le football africain au poste de gardien, c'est énorme. Après, il y a eu toutes ces vagues de nouveaux qu'on connaît, donc c'est un peu ça. Donc, pour tout ce que je dis là aujourd'hui, il faut vraiment. Et il fait une longue carrière en Espagne. Je ne l'ai pas dit, mais on est sur Ouais. du 8 ou 9 ans de saison. 9 ans, ouais. Voilà, 9 ans de saison à l'Espagnol Barcelone. Et donc, comme je l'ai dit au début, moi, je le découvre en 90. Et c'est là où, en fait, ça va être intéressant. Le petit face-à-face qu'on fait par rapport à Bell, c'est que moi, qui étais en France, je voyais pas les CAN du Cameroun. J'ai jamais vu. Moi, les premières CAN que j'ai vues, c'était peut-être quand elles ont commencé à être retransmises sur beIN Sport. Avant, c'était sur Eurosport, mais j'avais pas le câble. Moi, je suivais les CAN à la radio, tu vois, sur Africa Number One, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vrai que les CAN, j'apportais très peu d'importance aux CAN. Et c'est en parlant maintenant que j'ai un peu plus, tu vois, qu'on est un peu plus âgé, que je commence à parler. C'est en parlant, même avec toi, la dernière fois on en parlait, c'est en parlant avec toi que les gens me disent, mais Thomas Nkono n'a pas joué les CAN. Celui qui jouait les CAN, c'était Joseph Antoine Bell. Ouais, Tu vois? en fait, Thomas Nkono a joué les cannes. Oui, il a joué une CAN où il joue deux matchs, puis après il est appelé, je crois qu'il est comme appelé avec son club pour jouer un match de Les coupe. problèmes administratifs, bon, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons, mais pour répondre à ce que tu dis, il joue la CAN 84, qu'on gagne en Côte d'Ivoire, il commence. Oui, il commence. Il joue deux matchs, face à Voilà. l'Égypte où on perd 1-0. Et je crois face au Togo, je peux me tromper. Mais après, pour des raisons administratives, ça c'est une raison qui sort, à l'Espagnol de Barcelone, il était obligé de repartir pour faire certaines paperasses urgentes. Et à son retour, il y a eu des complications apparemment pour qu'il revienne. Pendant ce temps, Bell, il tient les cages et ça se passe plutôt bien jusqu'en finale. Et on gagne notre premier titre continental. Alors, il y a quelque chose aussi, parce que moi, comme je le dis toujours, je parle toujours comme si je m'adressais à un jeune qui n'a aucune. Parce qu'à l'époque, les CAN, il y avait 8 qualifiés. Donc en fait, il faut comprendre que quand on dit, c'est vrai que quand je dis qu'il a juste joué deux matchs, en réalité, tu joues, tu as trois matchs de groupe, tu as les Le groupe. demi et après tu as la finale. Tu vois, c'est un peu comme quand on parle de l'OM avec la Ligue des Champions. Tu vois, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'équipes. Mais c'est vrai, je te laisse continuer ce que tu voulais dire ou peut-être que tu avais Ouais, terminé. donc, non, c'était juste pour répondre au CAN joué par Nkono. Et après, il revient en 86. Maintenant, le problème, c'est qu'avec Claude Leroy, lui, dans sa vision, il dit que les deux grands gardiens qui sont au même niveau, il ne peut pas les avoir.
Parce que s'il a un sur le terrain, l'autre sur le banc, il sera mécontent. Est-ce que tu vois? En Oui. 84, il choisit Nkono. C'est son gardien titulaire. Mais après, il y a des raisons administratives comme elle évoquait. Nkono va signer des trucs. Et quand il revient, c'est Bell. Bell fait une Exactement. canne impeccable. On gagne en 84. Mais en 86, il fait comprendre à Bell que c'est Nkono, son gardien. Donc, pour qu'il n'y ait pas une ambiance délétère, c'est mieux de ne pas convoquer Bell. Et Bell le prend très mal. Et il va se plaindre à la presse, à Marseille, et tout, en France, puisqu'il a joué en France. Ça fait un écho quand même. Et on arrive en finale, on ne gagne pas. Avec Thomas Nkono dans les buts, en 86, on arrive en finale. Alors que c'est une CAN où Nkono et Milla sont au sommet de leur art. Tu vois. 88, Claude Leroy, pour essayer d'arranger le climat, il va voir Bell et il lui dit, bon, apparemment, il a présenté des excuses et tout, il demande à Bell de revenir. C'est ce qui se dit, Bell revient sous certaines conditions, il veut être titulaire. Est-ce que tu vois un peu? Or, Claude Leroy, son gardien, c'est Nkono. Il Il y sait. a beaucoup de parallèles avec les jours de ma... avec aujourd'hui. Tu vois? Il sait d'oppression en 88 et Thomas Nkono est dans les buts et on gagne encore notre deuxième CAN au Maroc. Donc, c'est pour dire, Non, Thomas, Belle est dans c'est les une histoire buts. qu'il faut que les gens sachent. Bell Non. a deux CAN étant titulaire dans les buts. Est-ce que tu vois un peu? Nkono, il a une CAN en 84 parce qu'il a commencé les deux matchs. Donc, c'est un peu ça. Concernant les cannes avec les deux joueurs en Ouais. fait. Mais après, on pourra toujours. C'est toujours la question éternelle. Qui mérite vraiment le titre? Est-ce que c'est celui qui a commencé ou celui qui a terminé? Tu vois? Parce que Bon, moi je l'attribue. après. Moi, pour moi, Kono, il l'a dans son palmarès. Il n'y a pas de problème. Comme les Oui, remplaçants l'ont sinon dans c'est son pas mal, palmarès. sinon c'est pas Mais en mal. réalité, pour moi, la CAN 84, je l'attribue quand même à Bell. Pour moi, Parce c'est que sa CAN à lui. c'est quand même des matchs compliqués. 84, Oui, il va en oui, finale et tout, et il va taper. oui, Et mais tu c'est le pour ça que gagnes, tu j'ai, c'est penses pour que ça tu que l'as j'ai, pour ça détruit? que j'ai signifié dès le départ qu'il y avait 8 qualifiés. Donc ça veut dire que Voilà. les 8 qui sont là, c'est comme si tu prenais les, ben le chapeau 1 de la CAN et tu fais une CAN avec eux. Tu vois? Bon, déjà la preuve, 84, c'est Bell qui est meilleur gardien. 88, Bell est meilleur gardien. Donc, c'est peut-être dit la place qu'il a occupée. C'est bien de rappeler ça parce que, niveau continental, même si Nkono, même moi, je le pense qu'il est le meilleur, mais niveau continental, Bell a plus été présent que Nkono. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien que les gars sachent ça, en fait. Ça n'enlève en rien le talent de Nkono, que moi aussi, je pense, si on me demandait, j'allais choisir Nkono. Mais aujourd'hui, vu que je défends Bell, je ressens les bons côtés de Bell. Est-ce que tu vois un peu? Mais tu vois, après je vais après tu sais parce que après je vais te laisser parler de Bell parce que je voulais bon après j'ai pas parlé de sa carrière parce qu'après il part en Bolivie mais bon j'ai pas mais je voulais aussi parce que justement je me suis posé cette question à savoir pourquoi. Tu vois pourquoi, qu'est-ce qui a manqué à Bell et qu'est-ce qui a manqué à Nkono? À chaque fois, j'essaie de faire des parallèles, mais j'ai l'impression que à un moment donné, Bell était, pas qu'il était plus fort que Nkono, mais le fait que Bell soit dans le championnat français et qu'il, pas qu'il gagne, mais en tout cas, qu'il fasse des performances La médiatisation. La médiatisation, tu vois, il a fait plusieurs finales de Coupe de France, et la Coupe de France à l'époque, c'était très important. Je pense que Vice-champion avec l'OM en 87, c'est pas rien. Vice-champion avec Bordeaux en c'est ça 86, c'est qui pas rien. manque, ben c'est ça qui manque à Nkono. Tu vois, parce que je pense que la carrière qu'il fait à l'Espagnol Barcelone est très belle, est très forte, mais en réalité, t'as pas les palmarès. Tu vois? Ouais, tu as pas il rate quand même une finale d'Europa League, ce qui s'appelait avant la Coupe Oui, UEFA. Oui, c'est mais en là, c'est. finale. Oui, mais on parle sur 9 ans. Donc en vrai, ça veut dire que. Non, c'est pas. Tu Je suis vois, ça d'accord reste avec quand même toi. un. Ça reste un genre d'épopée. Tu vois, ça aurait été bien qu'il le fasse, mais ça reste comme une épopée. C'était pas quelque chose qui était normal parce que, en réalité, on connaît FC Barcelone, le Real, dans une moindre mesure, peut-être l'Atlético Madrid, etc. et tout. Mais l'Espagne de Barcelone, ça n'a jamais été ce grand d'Espagne.
Tu vois ce que je sais pas où tu suivas. Donc en fait, le fait que oui, tu es dans un grand championnat et tu brilles dans ce championnat, il n'y a pas de problème, mais en réalité, tu n'as pas les. T'as pas le palmarès qui va avec, t'as pas les titres qui va avec. Et je pense que c'est là où peut-être Bell a pris le dessus, dans le sens où moi j'ai l'habitude d'aller au bout, moi j'ai l'habitude de faire des compétitions, donc je suis légitime à jouer en équipe nationale. Et la preuve, je gagne des CAN. Tu vois? Non, non, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est comme on dit, c'est important que les nouveaux comprennent ce qui se passe. Côté carrière, il n'y a pas de comparaison. Bell est devant. Ce n'est pas méchant de le dire, c'est la vérité. Là, ce sont les faits qui parlent. Tu viens de le citer comme ça. Nkono, même si l'Espagnol de Barcelone avant, attention, c'est quand même un bon club. Non, Ils ont c'est un beaucoup bon de club. Non, mais similitudes. c'est en dessous du Grand Real. Non, bien sûr, bien sûr, Voilà, bien sûr. je suis pas en train de dire c'est un club qui joue la relégation, hein. C'est un très bon club, Non. l'Espagne Barcelone. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais ça reste parce que il joue à l'OM. Non, c'est ça. Il joue à Bordeaux. Tu vois? Et l'avantage, c'est que avant, le championnat espagnol n'est pas montré au Cameroun. Le championnat français, avec la Ah vue de tu la vois, télé donc au ça je Cameroun, l'ignorais. passe. Tu vois un peu. Donc, on voit plus Bell et on ne voit pas Nkono. Est-ce que tu vois? Là, tu vois. Ça, c'est ce que les anciens me disent. Mais maintenant, bon, on va revenir dessus après. Mais d'où vient donc le fait que, je vais dire presque à l'unanimité, certains voient Nkono devant Bell. Alors que Bell a eu les médias avec lui, il a le palmarès avec lui. Mais d'où vient le fait que Nkono, pour la majorité, est le meilleur? Moi je l'ai dit, Toi, hein. tu. Moi je l'ai dit. Moi c'est quelque chose que j'explique pas. Pour moi, Thomas Nkono, celui qui m'a fait ressentir la même chose peut-être, c'est dernièrement c'est Neuer. J'aimais beaucoup Buffon aussi. C'est bizarre en plus. Ouais. Ça, après j'ai découvert aussi que Buffon c'est Kono c'était une idole pour lui, tu vois. Mais Bien Nkono, pour sûr. moi, c'était le meilleur gardien du monde. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Cas, je te laisse emboîter sur Bell, et puis je mettrai aussi des ingrédients de Nkono de temps en temps. En tout cas, pour Bell, sincèrement, moi, c'est juste ce point que je voulais relever. Il faut que les gens savent que côté palmarès, que ce soit continental, avec le Cameroun ou bien en club, Bell répond présent. Et il est devant Kono. Tu vois un peu? C'est comme on peut dire, peut-être lui, la carrière, ça sourit à certains critères, il y a des critères et tout, mais ça répond à Bell. Maintenant, pour Kono, c'est clair. Moi, je pense que c'est le génie. C'est le génie qui fait ce truc-là. Parce que le génie, c'est ce qui reste. Le génie, c'est ce qu'on voit. Ce sont les images qui resteront gravées à vie. Comme par exemple en 82, ce fameux match Cameroun-Pérou, face à face avec Babadi du Pérou, où on frappe. Thomas Nkono prend la frappe avec une main et il fait passer ça derrière. Du jamais vu. Tout le public européen présent au stade, ils ne comprennent pas. Ils se demandent d'où vient ce gardien, en fait. Comment on te donne une frappe? Il prend la frappe, c'est encore là. Il fait passer derrière lui et il renvoie la frappe. Le public se demande, mais il sort d'où? Il faut savoir que même si on est éliminé au premier tour, le premier tour, il sort quand même devant de grands gardiens comme Zoff. Mais le Cameroun est invaincu, non? Invaincu, Ouais, tu vois? invaincu. Et il s'est classé devant certains grands gardiens du premier tour seulement, en fait. Non mais Donc, il était incroyable. Mais attends, mais justement, avant que tu continues, justement, il y ouais. avait un truc que je voulais ajouter sur Thomas Nkono. Mais en fait, c'est vrai pour la plupart des gardiens, mais Thomas Nkono, c'était vraiment quelque chose aussi qui me choquait chez lui et qu'on voit plus maintenant, mais ça peut s'expliquer aussi, je dirais pourquoi. C'était un des seuls gardiens qui captait toujours le ballon. Ouais. Voilà. Son surnom, il y a certains ceux qui le surnommaient l'aimant. Frappe de loin, frappe de. Il captait toujours le ballon. Là, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne voit plus, mais c'est Non, ouais, aussi à les cause des gardiens de ballons. relâche, comme on dit, ils vomissent beaucoup. Exactement, mais c'est aussi à cause des ballons. Aussi à cause des ballons qui sont un peu comme des ballons de volleyball. Ok, mais Thomas Nkono, c'est pour ça que quand tu as sorti cette action de but là, face au Pérou et tout, ça m'a fait penser à ça. Le mec, il captait toujours. Dès qu'il pouvait le faire, il captait le ballon.
Il captait le ballon, il boxait aussi, il boxait, il avait une technique aussi pour Voilà. boxer le ballon à une ou deux mains. Non, c'était incroyable. Pour revenir à cette rivalité, l'une des plus grandes, sinon la plus grande rivalité des gardiens de but dans un pays, ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce que certains citent beaucoup Vladimir Béhara, tu vois, qui était l'entraîneur du Cameroun et qui était l'un des plus grands gardiens du monde à l'époque, c'était un Yougoslave, Ouais. tu vois. C'est peut-être pour ça que certains m'ont dit que le Cameroun, pays de grands gardiens, parce qu'il faut savoir que, parmi les premiers entraîneurs au Cameroun, on a eu deux très grands gardiens du monde. Donc Vladimir Béhara, qui était l'entraîneur du Cameroun. C'était un très grand gardien à l'époque. Donc quand lui vient, il a l'œil facile sur les gardiens. Tu vois, il n'a pas besoin de voir 10 fois un gardien pour savoir s'il est bon ou pas. Donc ce qu'il fait, quand il arrive en, je peux me tromper, 73, 73, 75, Ouais. il recrute 4 joueurs par poste, en tous les postes. Et parmi les 4 joueurs au poste de gardien, il y a, je peux me tromper, il y a un certain Mbala Djibé du TKC, un ambiant du Stade Étoile, Thomas Nkono, qui est déjà au canon, et un autre gardien du TKC. Tu vois, Belle n'est pas convoquée. Tu vois, après, je peux me tromper, mais les anciens me diront forcément, ils vont à la vidéo, mais Belle Les n'est pas commentaires sont convoquée. là, les commentaires sont là pour ça. Voilà. Nkono est pris. Mais le titulaire, comme tu l'as posé bien avant, le titulaire, ce n'était pas Nkono. Est-ce que tu vois? Donc, Oui, quand je ouais. te demandais que, mais avant, est-ce qu'il n'y avait pas un gardien titulaire et tout, s'il y avait un gardien titulaire, je peux me tromper, mais c'était ambiant. Tu vois? C'était le gardien de l'équipe nationale. Maintenant, il y a eu une tournée en Afrique de l'Ouest. Et au retour de la tournée, Vladimir Béhara est satisfait par Thomas Nkono. Et c'est à partir de là, de 74 jusqu'en 88, Thomas Nkono n'a plus bougé des gaules. Avec tous les coachs qui sont venus après, la Claude Leroy et tout là. Tu vois un peu. Donc ça, c'est un peu aussi pour que les gens comprennent cette culture de gardien qu'on a au Cameroun. C'est parce qu'on a quand même eu deux très grands gardiens entraîneurs, deux très grands gardiens dans les temps qui sont devenus des entraîneurs au Cameroun. Donc c'est clair qu'ils ont eu l'œil facile. Ils étaient aussi des formateurs à la base. Donc, pendant les années, ils ont formé énormément de gardiens au Cameroun. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça concernant cette rivalité. Et Nkono, et Bell vient après. Mais d'une année, hein. Nkono commence en Ouais, non, 75. Fin il commence 75. plus ou moins plus ou moins la même année, hein. Après, je sais plus les dates, je les connais pas exactement, mais quasiment c'est la même chose, hein. Quasiment ils ont. Non, c'est la même année, différente d'une année. Belle vient en 76, Nkono est déjà là, une année avant. Est-ce que tu Mais le peux. plus important, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nkono ne quitte pas le banc de 75 jusqu'en 88, en fait, avec tous les coachs qu'il y a eu. Mais est-ce que C'est tu peux incroyable. aussi, justement, parce que tu disais, on parlait de 88, justement, et parce qu'en réalité, quand justement je fais des recherches et que j'ai eu parlé avec des anciens et tout, etc., en fait, je me rends compte que même cette Coupe du Monde 90, en vrai de vrai, peut-être que c'est, j'aurais même pas pu découvrir Kono. Peut-être qu'en réalité, normalement, c'est Bell qui devait la jouer, cette Coupe du Monde. Ouais, c'est belle. Tu vois, on explique. Ouais. Ah, alors comme le Cameroun et le Cameroun, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais apparemment, c'est Bell qui devait jouer la Coupe du Monde. Et à cause de C'est belle. problèmes Je de. reconfirme que c'est belle. De Voilà. la part des anciens, bien sûr. C'est Voilà. belle. À cause de problèmes de primes, de déclarations qu'il aurait eues en public, Si, si. apparemment, il a été remplacé, peut-être même. Je pense même que c'est peut-être même pas la veille, hein, peut-être même 5. On parlait de même 5 heures avant le match. Bien sûr. 5 heures avant le match, il est remplacé par Thomas Nkono. Ouais. Et attention, je le répète pour ceux qui ne savent pas. Mais là, on parle de Cameroun contre Argentine. l'Argentine. Argentine de Diego Maradona, qui avant que le lutin Lionel Messi arrive, était peut-être reconnu comme étant le meilleur joueur du monde à l'époque.
Il était jusqu'à maintenant avec Pelé, tu vas mettre Pelé, Messi, peut-être Cristiano Ronaldo, mais Maradona, c'était le meilleur numéro 10, faux 9, appelle ça comme tu veux, du monde. C'est une légende. Ils avaient gagné la Coupe du Monde en 86 avec une équipe qu'on dit, oh, il n'y avait pas une bonne équipe, il y avait juste Maradona. Mais sauf que là, il revient avec une très bonne équipe, les Canidjali, ils ont une équipe incroyable. Et le match d'ouverture, c'est Cameroun-Argentine. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Et Tous les donc, pronostics donnent le Cameroun perdant. ah oui, la cote, elle devait être à un bon 50, là. La cote, là, devait être très élevée. Et ça fait partie aussi des choses, qu'il faut que. Mais c'est l'histoire. Hein. Bell, le caractère trempé de Bell, lui a aussi souvent joué des tours. Tu vois un peu ce que je veux dire. Tu t'as dit quoi? D'après ce qui revient des histoires des anciens, il s'est beaucoup deviné. Genre, là c'est une parenthèse, une anecdote racontée par les anciens qui peut être confirmée par la majorité. Quand je dis toujours que ça, Ben Kono n'a pas commencé avec les Lions, mais bien avant. Nous sommes à éclair de doigt là, tu vois. Nous sommes à éclair de doigt là. Comme je t'ai dit, et anecdote encore, Thomas Kono a commencé avant Sand. Tu vois? C'est pour ça que quand je vois souvent certains dire non, mais comment quelqu'un peut pas être commencé avant-centre et il est un bon gardien, ça veut dire qu'il n'y a pas le niveau. Attention, c'est vrai que là nous sommes en deuxième division, mais à éclair de doigt là, on a Ben dans les goals. Sur le côté, on a un certain Roger Milla et en attaque, on a Thomas Nkono. C'est incroyable. Alors, à 3 journées de la fin du championnat de la deuxième division, éclair de doigt là est menacé de relégation. Et une nouvelle fois, ça c'est ce qui revient. Les anciens peuvent dire en commentaire. Joseph Antoine Bell se débine. C'est-à-dire quoi? Il commence, on ne sait pas s'il flippe, mais il ne veut plus jouer dans les goals, dans les buts. Alors, le père de l'écho, il se surnommait le père Baoum Bekim. Les anciens peuvent mettre en commentaire. Il chasse, il suspend Joseph Antoine Bell pour les 3 prochains matchs. Il restait 3 journées. Et il demande à tous ces joueurs-là que qui peut jouer au goal? Thomas Nkono dit que moi je peux jouer au goal. Apparemment, c'est depuis ce fameux jour. Depuis que Thomas Nkono est entré dans les buts à la place de Bell, jusqu'en 88, il n'est plus jamais sorti. Les anciens peuvent confirmer en commentaire. C'est pour te dire à quel niveau la rivalité là était. Ça, c'est une anecdote que peu ne savent pas. Mais apparemment, elle a été confirmée par l'un d'entre eux. Donc, on attend les anciens pour nous dire en commentaire. Donc, c'est un peu ça. Et en 90 encore, il ressort que Bell s'est débiné parce qu'il aurait déclaré qu'on risque de prendre une manita face à l'Argentine. Et les joueurs et tout le reste n'ont pas apprécié. Je dis bien encore qu'on n'est pas dans le vestiaire, donc on ne sait pas. C'est ce qui ressort, tu vois un peu. Et quand il a dit ça, les joueurs n'ont pas apprécié, même le ministre de l'époque, et on a demandé que non, tu ne peux pas avoir un tel langage alors qu'on compte sur toi, tu es un leader et tout. Et on a préféré faire jouer Nkono. Et l'histoire, tout le monde la connaît après. Et c'est à partir de là que vraiment, même les fervents supporters de Bell, après ce match du Cameroun Argentine, ont dit que on donne les mains, Thomas Nkono, c'est le boss. C'est comme on l'a dit, deux grandes légendes, sincèrement, qui normalement, comme je le dis souvent, si on avait un Hall of Fame au Cameroun, le Ah, Hall of mais Fame des oui. Lions des Ondas, logiquement, elle serait déjà intronisée. Donc voilà. On est encore heureux que ces deux légendes soient camerounaises et font notre fierté. Voilà. Donc, à nous de prendre soin de nos légendes. En tout cas, encore une fois, merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. On est encore un peu débordé comme d'habitude, mais c'est la passion, on aime le foot, on aime le Cameroun, donc c'est sûr qu'on va toujours un peu déborder. N'hésitez pas aussi à nous partager ou en fait à partager avec nous des anecdotes ou des connaissances que vous avez par rapport à ces deux joueurs. On est là pour ça. Et apportez-nous des précisions si on s'est trompé. On est... Exactement, exactement, des précisions, il n'y a pas de problème. Nous, tout le monde est là pour apprendre. C'est le Cameroun qui gagne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. C'était le dé de la tanière, coulisses. Merci beaucoup. À bientôt.
à une très prochaine fois. Ciao.